immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, certainement, l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Va bien? Hey, très bien, toi? Oui, super intéressant. Ce matin, on va simplifier les choses oui. qui peuvent être compliquées. Parfois, on parle de servitude. Oui, compliquées, mais il faut vraiment les comprendre parce que les servitudes ont des valeurs sur les propriétés. Il y a différents types de servitudes. Il y a différents types de servitudes aussi qu'on va les décortiquer. La première et la plus simple, c'est la servitude qui va être personnelle. Donc, c'est une entente d'un propriétaire à un autre propriétaire, mais uniquement en lien personnel. Donc, elle ne sera pas publiée au bureau de publicité des droits. Ouais. Elle va être une entente entre deux personnes. Un exemple, Sylvain, tu as un chalet sur le bord de l'eau et on est vraiment copains, puis tu nous dis, Pat, tu peux passer sur mon terrain à tel endroit, puis profite-en, puis tu fais des dégâts, tu ramasses toute l'équipe. On se fait une entente ensemble, tout est beau. Ce qu'il ne faut pas oublier. Sur papier. Sur papier, naturellement. Elle ne sera pas publiée, elle va être sous sein privé. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dès qu'il va y avoir une vente de la propriété ou le décès d'un des deux propriétaires de cette servitude-là, ça va s'éteindre automatiquement. Pas transférable. C'est pas transférable. Okay. C'est là qu'il faut faire vraiment attention. Donc, vos certificats de localisation, c'est très important de les avoir à jour pour voir vraiment c'est quoi vos servitudes en droit réel et perpétuel. On appelle ça comme ça parce que ça suit le numéro de l'eau. Dès qu'on va vendre un lot, un numéro de lot, la servitude, elle va toujours suivre. Puis on a des servitudes qui sont âgées, là, des années 1800 qu'on voit là, sur le bord des lacs, ça a été fait à pied ou à cheval, dans ces choses-là. Ils sont toujours d'actualité, naturellement. Les chevaux ne sont plus dans les servitudes, mais sont toujours d'actualité. Il y a toujours des faits qui sont écrits là. Qu'est-ce que le fonds servant va donner? Lui, c'est le fonds servant, c'est le fonds qui va subir la servitude. Et le fonds dominant, c'est le fonds qui va jouir de l'accès, un exemple. Ouais, ouais. C'est vraiment ça qu'il faut savoir quand on fait la lecture des servitudes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça a une valeur. Pour un exemple, si on a une servitude d'accès à un lac qui est relié au numéro de l'eau qui est en droit réel et perpétuel, la valeur de l'accès au lac, elle a une valeur monétaire. Ben oui, si elle avait été sous sein privé, avec un droit privé entre toi et moi, Sylvain, elle n'aurait pas eu de valeur parce qu'elle va s'éteindre à la vente de l'immeuble ou au décès d'un des deux. Ce qu'il faut vraiment aussi savoir à quel endroit qu'on va trouver ces servitudes-là, on va les trouver naturellement au bureau de publicité des droits. Ils sont publiés, mais pour faire notre recherche, on va les trouver soit dans les actes de vente antérieurs, donc on va avoir une recherche de titre à faire sur la propriété pour bien s'assurer qu'on n'a pas de problématique, et aussi dans votre certificat de localisation, l'arpenteur géomètre, lui, va vraiment tous les sortir et tous les mettre dans le certificat de localisation. C'est bien important de s'assurer de la validité de ça et de l'entente de ça. Parce que si vous voulez changer une servitude, ça prend l'autorisation du fonds servant et du ou des fonds dominants, parce qu'il peut y avoir plusieurs fonds dominants. Comme je mentionnais, l'exemple la plus simple, c'est les servitudes d'accès au lac. Souvent, il va y avoir un propriétaire riverain qui va donner un accès à plusieurs lots. Ouais. Donc, ça donne le cas que le fonds servant veut enlever la servitude, ça prend l'accord de l'ensemble des fonds qui vont être là. Qui vont être attachés sur la servitude. Et autant ça peut être plus-value pour celui qui bénéficie donc de la servitude, autant celui qui doit l'accorder, ça peut être un désagrément et puis il faut le savoir avant d'acheter. C'est exactement ça, parce qu'on a aussi des particularités qu'on va voir. On peut avoir des servitudes de puisage d'eau. Ça pourrait être toi, Sylvain, qui va alimenter ma propriété en eau. Donc, il pourrait avoir un puits qui est sur ton terrain, qui m'alimente, et moi, dans ma servitude, ça va me dire, bon, ben, faut que je donne un montant X à Sylvain pour l'électricité durant l'année. C'est tout fait comme ça, les tests d'eau sont à la charge commune ensemble. Il peut y avoir plusieurs personnes aussi qui sont reliées avec ce type de servitude-là. Ça donne une valeur, oui et non, mais si on s'en va dans d'autres types de servitudes, il peut y avoir des servitudes de non-construction. Un exemple, ça, on les voit, c'est plus rare, mais vous êtes sur le bord de l'eau toujours, vous voulez empêcher le voisin, parce que vous aviez le terrain à côté anciennement, vous l'aviez vendu, mais vous avez dit que à tel endroit sur ce terrain-là, il n'y a aucune construction qui va se faire pour ne pas vous cacher la vue. Donc, vous ne pouvez plus avoir un usage complet de votre bien face à cette servitude-là, et ça doit être respecté, parce que c'est des ententes qui sont là. Il faut vraiment les regarder d'un bout à l'autre, et c'est vraiment important d'avoir vos certificats de localisation vraiment à jour avant même quand vous pensez de vendre votre propriété, de faire ces choses-là. Aussi, un autre fait, les servitudes qui sont d'utilité publique, Hydro-Québec, Bell Téléphone, ces choses-là, même les municipalités, souvent, c'est des servitudes qui ne seront pas nécessairement inscrites, mais si vous voulez de l'énergie sur votre propriété, vous n'avez pas le choix de les laisser passer.
Il faut vraiment s'y attendre. Mm-hmm. Et aussi, il y a le fait de rendre une servitude qui va être caduque. C'est relativement simple. Vous aviez un domaine privé avec un chemin qui était privé. Vous aviez des servitudes de passage. Et à travers le temps, la municipalité a acquis la rue et elle devient municipalisée. Donc, on appelle ça une servitude qui va être caduque. Donc, il n'y a plus aucun usage. C'est la municipalité qui va s'en occuper. Et c'est vraiment important de s'assurer de voir toutes ces particularités-là avant même la mise en vente d'une propriété. Parce que, comme tu le mentionnais tantôt, on a une valeur ajoutée ou une valeur qui va être réduite arriver sur ce type de servitude-là. C'est pour la vie. Donc, et c'est pour la vie. La réelle est perpétuelle la personnelle. Ouais, exactement. Exactement. C'est la différenciation à faire entre les deux. C'est très important. Si on veut te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Sur le Facebook, toutes mes chroniques immobilières y sont disponibles. Bien, ici, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Oh, certainement.